Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tricher sur Pokémon Go, donc comment se déplacer et tout sur la map. Donc là voilà, on essaye de vous téléporter à un endroit, c'est en Hongrie, à Budapest. Donc il y a beaucoup de Pokéstop et beaucoup de raids et beaucoup de gens qui sont fréquentés par les tricheurs là-bas. Donc voilà, donc là le chargement, il met longtemps, ouais parce que... Bon attendez, on se retrouve tout de suite dès que le chargement il se remet parce que c'est à cause du rec. On se retrouve tout de suite. Tac, donc là voilà, vous voyez un peu, donc voilà c'est bon, j'ai réussi à me connecter. Donc comme vous voyez, j'ai un petit menu là. J'ai aussi ça qu'on peut déplacer, ça aussi c'est très utile. Et j'ai aussi, mince, on verra ça. Et j'ai aussi le petit joystick là. Donc, je vais vous montrer. Donc là, voilà, on peut se déplacer. Donc, on peut choisir. D'abord, on va commencer. Donc, le joystick, il sert à se déplacer, comme vous voyez. On peut aller à l'arène là. Oula. On peut aller à l'arène là. Enfin, je vais pas cliquer, sinon peut-être qu'on dit Navot. Vous voyez, on peut prendre les Pokémon aussi. Et regardez aussi, ce qu'on peut savoir. Les capacités des Pokémon. Donc, je vais pas cliquer dessus, mais on peut savoir. Ouais, parce qu'il y a une version payante. Regardez pas la version payante. Attraper, donc c'est avant savoir si on a attrapé le Pokémon, donc c'est vraiment utile. Enfin, c'est pas utile, mais bon, on saura bien entendu. Donc, vous pouvez prendre les arènes et tout. Hein. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le petit onglet là, vous pouvez choisir de le mettre et vous pouvez choisir votre vitesse. Donc, c'est soit là, soit dans les paramètres. Vous voyez, là, on peut choisir. Mettons, si je vais à 1 km/h, on n'avance pas du tout. Vous voyez, j'avance pas du tout. Et si je vais à 120. 120 c'est mieux, comme ça vous pouvez vous déplacer hyper vite dans la map. Là vraiment je suis là parce que je me suis téléporté là, mais bon, ne c'est pas la peine, ne vous téléportez pas là. Vous téléportez-vous en anglais. Donc là après ça c'est une version payante, donc on s'en fiche. Ça c'est le petit truc là, le petit truc en dessous de la vitesse, c'est pour déplacer le là-bas. Et pour déplacer le joystick, vous appuyez deux fois. C'est vraiment très galère. Voilà, donc après on va continuer. Donc le journal, vous pouvez l'activer ou pas. Ça vous permet de savoir quand est-ce que vous êtes téléporté. Voilà, moi je me suis téléporté il n'y a pas longtemps. Et en fait, vous êtes très utile si jamais vous avez oublié quand est-ce que vous êtes téléporté, parce que vous devez attendre un certain temps avant de vous téléporter. Donc après, ça, c'est une activation. Voilà, on s'en fiche de la version payante. Galère à déplacer, voilà c'est bon. Après on a ça, voilà, donc ça notice, vous pouvez appuyer sur le bouton du volume pour faire apparaître le menu joystick. Voilà, donc ça vous pouvez faire croire aux gens que vous n'avez pas le bon. Après c'est moi ça me met utile pour les combats d'arène et tout, parce que comme ça ça gêne pas, parce que ça gêne beaucoup les trucs. Et vous avez juste à appuyer sur le volume du son, tac, j'appuie sur le volume du son et voilà. Donc après les réglages, donc c'est important, donc on a le langage. Après, il y a l'éclair, donc ça c'est les téléportations. Vous pouvez mettre des coordonnées, mais ça c'est pas très utile parce que je vais vous montrer une autre technique. Et vous pouvez mettre les hotspots, donc c'est pas mal ça. Budapest, je vous conseille de vous téléporter là, il y a vraiment beaucoup de Pokéstops. Ça vous met les délais d'attente, donc 117 minutes pour Budapest. Vous devrez attendre 117 minutes avant d'attraper des Pokémon et de faire tourner des Pokéstops, parce que sinon vous allez les battre. Il y a Big Ben Long, Paris Mall, voilà, il y a plein de choses. Moi j'ai la première, le premier endroit c'était à Times Square. Regardez, je vais vous montrer Times Square. Central Park. Ah non, c'est Times Square, voilà, Times Square.
pouvoir éviter cette liste. Attention, respectez les délais avant de vous téléporter vers une autre destination. Voilà, donc ça c'est les shiny, je crois. Vous voyez que vous devrez attendre 74 minutes avant de téléporter, enfin cliquer et vous devrez attendre 74 minutes. Voilà. Donc ça vous permet d'aller à un endroit, ou même si vous n'avez pas l'endroit, vous cliquez, je sais pas, c'est hyper compliqué ça. Vous cliquez, faites gaffe, vous cliquez, pas, vous restez pas à cliquer sinon ça va pas marcher. Vous voyez, ça me met ça et ça c'est bien. Voilà. Donc vous devez, je crois que vous devez cliquer sur un mur. Voilà, et vous voyez, ça m'a fait ça, et ça m'a téléporté, je peux me téléporter ici, voilà. Donc, sans, voilà. C'est un petit truc. Je vais vous cliquer sur les petits trucs comme ça. Je commence. Oula, j'ai failli cliquer. Voilà, téléporter ici, et voilà, vous cliquez. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi savoir ça, donc c'est payant, mais on peut quand même l'utiliser. Donc, et là on a les Pokémon qu'il y a aux alentours. Ok, même si c'est payant, regardez. Ça va mettre ça, je passe sur reprise, mais vous pouvez voir pendant un instant qu'il y avait un petit robot là. Vous pouvez enfin un petit robot. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc c'est pas mal. Les trucs GPX automatiquement, ça je sais pas du tout ce que c'est. Nombre de Pokéstops. Vous pouvez mettre des trucs en favori, moi j'avais mis ça, c'est... Et vous pouvez même mettre un homme, donc voilà, moi j'avais mis un homme. Ça c'est quoi, ça c'est payant, donc voilà. Donc on va passer tout de suite, comment obtenir. Ah oui, ça aussi. Donc ça, vous pouvez modifier la vitesse. À peu près pareil, c'est la même chose, quoi. Donc on va voir comment obtenir ça. Donc vous allez, donc moi, je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai le lien en description de l'endroit. Et vous devez avoir ça comme Hisper, oula. Attendez, ça va se remettre parce que j'étais sur une vidéo YouTube là. Tac. Donc voilà. Donc ça vous met Hisper faire. Et là, install now. Vous cliquez dessus. Donc vous mettez installer comme vous voyez. Là, le trust, vous en foutez. Vous attendez que ça se télécharge. Et là, vous mettez ça et vous dites. Regardez, donc je vais vous montrer dans les réglages. Réglages. Général. Vous allez là. Pas d'ATR, n'importe quoi. Non. Vous descendez et vous voyez que gestion de l'appareil, il y a yon machin chouette là qui vous dit et vous devez que votre app soit vérifiée. Donc vous cliquez dessus et vous dites ok. Voilà. Et donc c'est tout. Donc après vous remettez sur votre jeu et vous avez le menu. Vous faites tout ce que vous voulez. Voilà. Là, il y a un rêve, on peut le faire. C'est vraiment pas mal. Voilà. Du coup, n'hésitez pas. Donc le lien sera en description. Le lien en description pour le. Pour vous déplacer pour le télécharger. Et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, il faut désinstaller son Pokémon Go et le remettre, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.